Devant sa maison, Thierry Mambana nettoie son jardin de carottes et de choux. Comme des milliers de Gabonais en cette période de confinement, il participe à la campagne de promotion encourageant la pratique du maraîchage et du jardinage. Le programme Gabon Famille Verte vise à ancrer au sein du noyau familial l'importance du retour à la terre. Ma fille, ayant vu cette publicité deux, trois, quatre reprises à la télévision, disait maintenant, papa, je vais planter. Et puis, bon, je me suis rapproché de la structure via les réseaux sociaux qui m'ont répondu et ont accepté de venir nous apporter des semences. Et c'est ainsi que nous avons été livrés. Et puis après, ma fille, ayant vu le véhicule arriver et puis les semences nous être remis, elle était très, très, très heureuse de savoir que, bon, elle allait se mettre à cultiver maintenant. Donc du coup, voilà, madame s'est associée à nous. Et puis voilà, nous avons fait le petit verger. Étudiant en deuxième année de comptabilité, la vocation de l'agriculture, Agnès Kalidou la tient de son père. Le programme pour lui est bénéfique à plus d'un titre, à tel point qu'il envisage d'en faire une activité lucrative. Pour le moment, j'ai un autre petit jardin au nord de Libreville. Ici, comme le jardin, c'est une place que j'ai pris dans le quartier, que j'ai nettoyé. Pour ne pas perdre le talent, la passion que j'ai, donc partout où je suis, j'essaie de faire mon jardin pour garder ce que j'aime là-bas au départ. C'est une passion pour moi. Et j'aimerais avoir plus d'hectares, travailler et me lancer dedans pour que ça soit vraiment une grande opportunité de faire des affaires dans ce domaine-là. Pour la Commission de l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine, ce programme mérite d'être partagé en Afrique comme modèle de renforcement du système alimentaire sur le continent. Il s'effectue tous les jours. Mon département joint les efforts de la FAO pour appuyer le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et Alimentation de la République du Gabon pour disséminer cette expérience à d'autres pays de notre continent. L'initiative Gabon Famille Verte va permettre aux populations de s'intéresser aux activités agricoles et sortir de la dépendance des importations des produits agricoles dans notre continent. Le contexte agricole gabonais se caractérise par une forte dépendance à l'importation de denrées alimentaires. Cette opération vise à permettre aux familles de cultiver la terre à domicile.